Si tu vois cette vidéo entre le 27 et le 30 septembre, c'est qu'elle est pour toi. Et c'est dans les 48 heures où tu as vu cette vidéo, une plume blanche se présente à toi dans un endroit improbable. Soyons clairs. Une plume dans ta voiture alors que c'était pas prévu. Une plume sur ton chemin. Si tu vois beaucoup de plumes, ça veut dire que c'est un oiseau qui a été chassé peut-être par un chat. Donc ça veut dire que c'est pas ça. Une plume blanche. On me la montre, elle est petite cette plume. Elle est toute petite avec des toutes petites plumes toutes douces. Si dans les 48 heures où tu as vu la vidéo, tu tombes sur une plume blanche, c'est un indice que cette vidéo est clairement pour toi. Maintenant, quel est le message qu'on souhaite te délivrer? C'est une bonne question. La nécessité. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici t'était nécessaire. Il faut que tu saches que l'univers a une force intense pour te faire comprendre ce qu'elle désire, te faire apprendre une leçon. Positive, de toute façon. Elle est toujours positive, la leçon. L'engagement, la fusion. L'ouverture d'une porte après une période de pauvreté, de silence. Une renaissance, un engagement. Ouvre les yeux, c'est ce qu'on te dit. Ouvre les yeux, enlève, continue d'enlever le voile d'illusion. Tu abordes un chemin, tu vas passer une porte. Où tu vas y trouver tes clés. Tu as déjà une partie de tes clés, mais il y a une partie de toi qui a longtemps refusé de s'en servir. Et clairement, l'univers t'a poussé dans tes plus grands retranchements. Et ça a pu être clairement être très douloureux. Quand tu refuses d'avancer dans la bonne direction et que là où ils savent que c'est pas du tout là où tu dois aller, sache que le divin, la source, t'amènera malgré toi dans une direction qui est faite pour toi. C'est nécessaire. On te dit qu'il est temps d'arrêter de te mentir. Tu repousses quelque chose que tu ressens profondément. Tu as une profonde colère. Et dans ce que tu vis, on te dit que tu te trompes. Tu n'avances pas dans. C'est pas clair ce que tu regardes. C'est pas clair ce que tu vois. On te dit vraiment qu'il est temps que tu ouvres les yeux. Il y a encore des parts de toi à apaiser pour pouvoir continuer d'aborder ce chemin. On te parle de quelque chose d'éternel. Trouve un équilibre dans ce chaos. Trouve la paix dans tout ce bruit. Le silence est d'or, la parole est d'argent, et c'est dans le silence que tu entendras ce que ton âme aura à te dire. C'est en étant dans le silence le plus profond que tu ne douteras plus. Engage-toi avec toi pour ensuite pouvoir t'engager avec l'autre. Et on te dit bien et clairement, là je vais être très claire et très concise, tu désires un engagement avec une personne, tu désires quelque chose profondément. Ça te sera refusé tant que tu ne t'engageras pas avec toi-même. Tu pourras battre des bras, tu pourras crier, hurler, dire que tu es insatisfaite, que ça ne te convient pas. Que tu ne souhaites pas, que c'est pas comme ça que tu le veux. Sache que quelque part, c'est pas toi qui décides.
Enfin, si. Tu peux décider, mais tant que tu n'es pas dans ta complétude personnelle, dans ton engagement avec toi-même, l'univers refusera clairement et pleinement que tu souffres à nouveau dans les bras de quelqu'un, de cette personne que tu aimes profondément. Et donc, tout ça pour te dire que si tu la vois entre le 27 et le 30, je crois que c'est ce que je t'ai dit, et que tu vois une plume blanche, le message est clairement pour toi. On te dit attention, tu es sur le bon parcours, tu es sur le bon chemin, ne doute pas de ce que tu ressens et de ce que tu entends. La seule chose dont tu peux douter, c'est de toi-même. Il est temps d'arrêter de douter de toi, il est temps de t'engager avec toi si tu veux la cerise sur le gâteau. Il va être temps de te promettre cet engagement envers toi-même. Tu as tes clés. On te demande de t'élever. Tu vas passer une porte. Écoute ton cœur dans le silence le plus pur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est lui? Et c'est un oui. Te pose pas la question de quand, comment, pourquoi. C'est lui. Tu es à ça d'y arriver. Ne lâche pas, n'abandonne pas, continue et surtout engage-toi, promets-toi.